Cześć, witajcie, to jest A Plague Tale Innocence wersji na PlayStation 5. Jest to gierka, którą jeszcze nie grałem, więc nie znam w ogóle fabuły, nie wiem na czym to polega, ale słyszałem dużo dobrego o tej gierce, więc postanowiłem, że skoro dużo dobrego o tej grze słyszałem, to czas w końcu tą gierkę sprawdzić. Słyszałem, że to jest to gra na około od 10 do 12, może 15 godzin, w zależności od tego, jak sobie poradzimy z zagadkami logicznymi. No i przede wszystkim zobaczymy sobie, jak rozkminie te mechaniki gry. Zapowiedziano na ostatnim E3, czyli na konferencji, drugą odsłonę tej gierki, więc pomyślałem, że to, jeżeli to jest gierka, która mimo, że nie jest najwyższych budżetu, tak się dobrze przyjęła, będzie druga odsłona, to warto byłoby tą odsłonę sobie teraz nadrobić, żeby wiedzieć, co i jak się będzie działo. Jako, że ta gra odbyła się we Francji, postanowiłem, że włączę dubbing francuski. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi? Suivre les hommes? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici? Pour l'arbre. Quel arbre? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraîné dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Normalnie odpaliłbym dubbing angielski, żeby wszystko idealnie rozumieć, ponieważ dużo lepiej mi się bez czytania gra w gierki. Nie znam francuskiego, więc nie wiem, co ona mówi. Natomiast pomyślałem, że skoro to jest gra, która bardziej nastawia się na fabułę, bardziej nastawia się na klimat, to definitywnie chciałbym, żeby był to język, który powinien być oryginalny. Takie gry nastawione na imersję, wydaje mi się, że warto, żeby grać z dubbingiem lokalnym, szczególnie, że rzadko mam okazję grać po francusku. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, monsieur. Tu sais, dans une famille. J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de runes. Allez, vas-y. Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais, chacun a ses obligations. Je dois m'occuper de ses terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors, suis-moi, ma fille. Quoi? Hé! Hey! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. My się nauczymy korzystać z procy. Holy shit. Allez! Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve? Les pommes sacrées de l'arbre... sacrées... ont été corrompus par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Dobrze. Bierz kamień do procy. Dobra. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. Ha, przytrzymać muszę. Dobra. 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6, 7, 8. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. 9 et 10. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a?
il a dû flairer un lapin. Venez, vite. Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de 20 ans. R2 do biegania. Lion! Złego, złego, lepsze to jest niż... niż jakbym biegać pod lewym... kliknięciem lewego analoga. Lion! Un chien de chasse! N'est pas censé semer son maître! Lion! Mais où il est? Nie wiem, jak ta gierka wygląda oryginalnie na PlayStation 4, ale w tej wersji, jak mnie mam poprawionej, na PlayStation 5 wygląda niesamowicie dobrze. Widać, że tekstury nie są idealnej rozdzielczości, ponieważ zauważyłem dokładnie, że te tekstury są ukryte pod takim blumem, rozmazaniem delikatnym, rozmyciem. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui. Ces herbes te cacheront si tu restes baissé. Il boit. C'est le moment. Oh non, il m'a vu. Trouve un angle de tir plus discret. Tu dois toucher sa tête. Cel w głowie dzika. Staram się. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. W łeb muszę go siapnąć. Jezu, ale to nie jest. Kurde! Świniaku, obłyńcu ty. Naprawdę ta proza jest strasznie głośna. Ty! Ale urwał! On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non, non, non! Allez, Lion! Ne le lâche pas! Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois! Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, Lion! J'arrive, Lion! Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi! Le sanglier. Il perd du sang. Dać lwa. Teraz będę polował na lwa, tak? Super. Nie, tak szczerze to wiem, że tam. Wiem, że mój pies się nazywa lew. Czy nie wiem, czy to jest do końca mój pies, ale mnie kojarzy, więc okej. Okay. Il a dû le trouver. Oh! Des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. O Jezu, muchy. Fuck. Les arbres. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lion! Reviens! Oh, kurde, co się stało? Lion! Je suis là! J'arrive! Mon chien. Qui a fait ça? Diablerie. On rentre. Tout de suite. Co to kurwa było? Ty, ale serio, to jest taki... taka mistyczna część gry, tak? Że ta gra jest realistyczna, tutaj wow. Boże, co to mogło być? Kurde, kret olbrzym, czy jak? Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. Oui, zabili mi good boy od początku. Ja nie mogę, tak nie powinno się robić. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Bonjour, mademoiselle Amicia. Ah, bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets.
Mademoiselle. Les gens sont nerveux. Oui, mademoiselle. Dans la nuit. Les Anglais, ça. Pourquoi les Anglais voudraient des gens? Je sais pas, moi, pour nous saper le moral. Ja widziałem, że trochę FPS spadły. I mi się zdaje, ale okej. Okay. Gdzie ta matka może się zajmować? No, pewnie tam, wygląda jak taką ładną... ładną chatę. Zobaczymy. O, mademoiselle Amicia. Avez-vous pu... A mademoiselle Amicia, to jest Amicia, nie Alicia. Nie możecie mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Oui. Oui, je leur dirai. Alors, si vous sentez oui, oui. Préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. O, nieźle. Ale naprawdę gierka wygląda dobrze. Kurczę. Widziałem, że ta gra jest taka ładna. Myślałem, że jak fokus wydaje, to ta gierka będzie tak średnio wyglądała. To jest naprawdę przyzwoicie. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Ah, Gabriel, mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Mało miał kolejny atak, ale atak czego? Że nasz brat, jak rozumiem, Hugo, tam Hugo, nie wiem, jak się czyta po francusku, to nadal to imię, miał atak. Tylko czego atak miał? Louise, tu viens de voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. Merci. Beaucoup. Mère, tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais quelque chose a attaqué Lyon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Lyon était là, par terre, puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi que fasse-t-il ? Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Żebym się odpierdziela, ale co? Znajdź Hugo. Hugo. C'est fermé. Hugo. Maman, c'est toi? Où est-il? Hugo? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance! Il a parlé? Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il? Pour la dernière fois, où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman ? Hugo.
Stacy, qu'est-ce qui se passe? Chut. Oh nie. Je sais que t'es là, gamin. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Kurwa, to jest gra o tym. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant, vite. Où est maman? Chut. To jest gra o tym, żeby chować się z bratem? Gdzie ja mam się schować? A, dobra. Pieprzyłem, sorry, tu miałem iść. Ty gra mi dajesz szansę, żeby się nauczyć jeszcze grać. A nie każe mnie za to, że jestem powolniakiem. Hey toi, viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où le gamin, hein? Laissez-les en paix. Vous auriez dû nous livrer là-bas. Enceinte. Laissez-les. Oh non, Léa. De grâce, je ne sais pas. Voilà. Quoi. Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Ja pierdzielę. Kim oni są? Amicia, qu'est-ce qui se passe? Maman, il faut trouver maman. Elle saura quoi faire. Oh mon Dieu, Louise. Et hey, toi, ça t'amuse de me faire courir, hein? Vous. Pitié. Ça sert à rien. Ça sert à rien de suivre. Toi, c'est bon, fais-toi avancer. Non. Non. Je veux pas. Il faut qu'on avance. Où sont les écrits de ta maîtresse? Pierdolé. Je sais rien. Je m'occupe juste du linge, moi. Écoute, c'est ta dernière chance. Je vais. Proszę, gro. Nie, to jest dopiero napięcie. Ja pierdzie, to jest dopiero napięcie. Eh bien, eh bien. Où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et... Zostawisz Hugo samego, wpadnie w panikę i przyciągnie wrogów. Ja pierdzielę. To jeszcze oprócz tego, że ma się nim zarządzać, to jeszcze on będzie mnie wkurwiał, jeżeli ja go zostawię samego. O, to będzie trudne. Ja wiedziałem, że to jest skradanka, ale nie wiedziałem, że to jest gra eskortowa. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Fleurs. Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. On a réussi. Chut. Cachez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirais rien. Allez en enfer. Ah ouais. Après toi. Je te laisse réfléchir. Maintenant. Et toi, crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes. T'es là. Je myślałem, że to dziecko nie ma ręki, ale to taki rękaw ma dziwnie szeroki. Il faut passer. Amicia, aide ton frère. Je vais te porter. D'accord, d'accord. Attention.
une a une dent contre l'Inquisition. C'est juste un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Dis-moi tout ce que tu sais. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Non, Amicia, ta fronde va nous faire repérer. Oui, c'est vrai. Il venait d'où ce claquement? Bien, on y va. Alerte, il y a quelqu'un ici. Oh, non. Là-bas. Fuck. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ah! Ce bruit. Bien, ça venait de là-bas. Je crois. No to jest taka głośna, naprawdę? Czy oni mają taki dobry słuch? Ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Il faut qu'on accélère. Alors, le garçon, il se cache. Mais le seigneur Nicolas. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur pour rien. On n'a jamais eu meilleur capitaine. Bien. Au toujours moins, rien. Il a une père. Et d'ici peu, il aura le fils. Mère, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Je t'expliquerai. D'abord, sortons d'ici. Allons-y. J'y vais. Reviens vivant. On a besoin de toi ici. Dobrze. Nie da się zabić, nie da się zabić. Ale przeczuwam, że matka też umrze niedługo. On peut pas y aller, mère. Peut-être que si tu lançais un de ses pots. Vous croyez? Oui, le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. C'était quoi ce bruit? Oh non, non, non! Allez! Dobrze, poszliśmy? Chwila, może poszliśmy w złą stronę. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui, Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite, d'accord? D'accord. Allez, mon grand. Bravo. Il y a des gens. Prends ma main. Viens. Pitié! Pitié! En même temps. Demandez grâce! Ne fais pas courir plus vite, mon ami! Jakie emocje są, ja pierdziu! Allez, venez! Nie wiedziałem, że to jest taki typ gry w ogóle. Suivez-moi! Myślę, że to jest raczej standardowa przygodówka. Attendez, j'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... ma tête... Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... ma tête... Écoute-moi, respire. Pense au petit nuage que tu avales. Oh, mój Boże. Mam teraz takim chodzić mały sen, któryś panikuje. To jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że panikuje, to jeszcze ma problemy z głową. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Naprawdę? Tu peux venir? Oui. Dobra, ja teraz jak mogę mu pomóc przejść?
A, dobra, teraz jakby moja postać się nauczyła przepuszczać na drugą stronę. Spoko. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal, d'accord? Fais très attention. Ok, teraz muszę iść pod dzban. Dobra. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. Tu będziemy musieli pójść, tak? Czy ja muszę? Pójść tam. C'est quoi? Je dois les prévenir maintenant. Hey! Allez, j'arrive. Nie, chyba spieprzyłem, co? Oh, fuck. Niedobrze. Oj, niedobrze. Papa, c'est trop risqué avec Hugo. Il est plus lent que nous. On devrait faire diversion. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Dobra, idę pod dzbana. J'ai pas le droit à l'erreur. Mère Hugo, toi, va avoir le temps de passer. Allez, dzban, poproszę. Nous allons. Je dois les prévenir maintenant. Je vais voir. Ok, tam jakiś jeszcze drugi się strzaił. Psst, venez, on arrive. Allez, allez, vite. Goddammit! Ale dzbana! Brawo! Rien à signaler! Par ici! La porte du jardin! On va pouvoir sortir d'ici! Il reste un garde! L'épouvantail! Je m'entraînais au tir dessus! Mais il se rapprochera de nous! Oui! Mais on attendra qu'il reparte! D'accord! Je m'en occupe! Mm-hmm. C'était quoi ce bruit? Hej, jakby przybliżył się do nas, ale jak rozumiem, on się za chwilę wróci i w tym czasie będziemy mogli sobie pójść. Va-t'en. Bien sûr. Va-t'en, allez. A, i to jest ten czas, kiedy możemy iść. Dobra. Spoko. Oh, vous êtes vivant. Par ici, venez. Par ici. Suivez-moi. On nas sprzeda. Mon chéri, va vite te cacher. Chez Laurentius. Le docteur? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais. Et vous alors? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Tu n'es pas. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Pierdzielamy! Jak niby mam się udać uciec z dzieckiem przed całą zgrają żołnierzy? Żołnierzy czy rycerzy? Nie wiem, jak powinien ich nazywać w sumie. To byli jeszcze rycerze, czy już żołnierze? Chyba rycerze. Dla nazywa ich strażnicy.
Monsieur, on doit retourner chercher maman. Pas question. Ils doivent pas nous attraper. Ta pierdziele. Où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Il y a quelque chose dans la terre, Amicia. Est-ce qu'on va mourir? Non. On doit les semer. Oh non. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'on fait? O nie! O nie! Wow! Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo? Hugo? Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Wow! Ale ta gierka się dobrze zapowiada. Nie wiem, czy pewne mechaniki skradania się nie będą na mnie irytujące, no bo ja nie jestem jakiś taki skradankowy. Lubię skradanki, które raczej zakładają, że będę ludzi mordował, gdzie jestem jednak predatorem, a nie zwierzyną, więc mogę się tu trochę irytować, ale klimat wylewa się z ekranu hektolitrami. Więc to będzie wszystko na ten odcinek. Serdecznie dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy graliście, jakie macie wrażenia z tej gry, czy myślicie, że ta gra jest tak dobra, jak o niej ogólnie mówią, czy raczej taka średniawka PL, ale spoko do zagrania, a może zupełny krab. A z drugiej strony powiedzcie, jakie macie oczekiwania co do drugiej odsłony The Plague Tale, który ma wyjść chyba za czas jakiś, chyba nawet jeszcze nie w tym roku. Ale dajcie znać, jak według was się zapowiada i co sądzicie, że z tej gierki wyjdzie. A tymczasem zapraszam was już niedługo do kolejnego epizodu z The Plague Tale Innocence. A teraz będę leciał. Siemanko, no i cześć!